Ça va? C'est quoi ça? Un triangle, une pyramide. C'est un iceberg. Tu vois? Alors ça c'est la mer. Tu vois? Ça c'est le haut de l'iceberg. Ça c'est le bas de l'iceberg. Si l'iceberg, ça c'est les vents. Ok? Et de l'autre côté, tu as les courants sous-marins. Parce que la partie au-dessus de l'iceberg, ça représente combien de pourcents? 10%. Et la partie en dessous? Super, Patrick. C'est bon. Donc si tu as 10% qui est au-dessus de l'eau et 90% qui est au-dessous de l'eau, que tu as les vents, tu vois, qui vers ton objectif, les vents qui poussent d'un côté et les courants sous-marins qui poussent de l'autre côté, de quel côté il va aller l'iceberg? Il va tourner. J'ai pas eu ça comme réponse. Il tourne, il fait du surplace, il tourne en rond. Ça c'est pas mal ça. Ça dépend si c'est la tête qui commande. Ça dépend si c'est la tête qui commande, ouais. Exact. Parce que ça c'est quoi? C'est une image pour vous faire comprendre que là tu as ton conscient et là tu as ton inconscient. D'accord? Et ton inconscient c'est ton potentiel latent. Ok? Et si ton conscient te dit d'aller dans une direction qui correspond à tes objectifs, mais que ton inconscient te dit d'aller dans l'autre sens, il y a un moment donné où ils ne se comprennent pas tous les deux. Hein. Et ton inconscient, c'est quoi? C'est tes croyances, c'est ton identité, c'est les règles que tu te mets, c'est l'estime de soi et c'est les valeurs. Tout ça, ça pousse dans l'autre sens. Imagine que tu sois sur un éléphant. Qui a déjà monté un éléphant? Personne? Tu étais sur un éléphant et toi, tu veux aller dans une direction avec l'éléphant et puis l'éléphant, il n'en a rien à foutre, il veut aller dans l'autre direction. C'est un petit peu l'image des fois qu'on a parce que toi, tu veux aller dans une direction vers tes objectifs. Mais ton inconscient, lui, il s'en fout, il va aller dans l'autre direction. Donc tu peux faire tout ce que tu veux sur le taper dessus, etc. Ça ne va rien donner parce que l'autre, il va aller dans l'autre direction. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous achetez un lecteur DVD, quand vous achetez une télé, quand vous achetez n'importe quoi, un micro-ondes, de l'électroménager, etc., à chaque fois, dans le paquet, vous avez quoi? Vous avez un mode d'emploi. Et toi, on t'a donné un cerveau à la naissance, est-ce qu'on t'a donné un mode d'emploi avec? Non. Et si tu veux, c'est ton conscient et ton inconscient, c'est un petit peu comme si ton conscient parlait français et ton inconscient parlait suisse, tu vois. Et les deux se comprennent pas. Ils parlent pas la même langue. Donc ce qui commence à être intéressant pour vous, c'est de connaître l'envers des cartes et de savoir comment travailler vos croyances, votre identité, vos valeurs pour faire en sorte que tout votre inconscient vous pousse dans la même direction que votre objectif. Ça a du sens, oui ou non ?